Salut à toi YouTube pour cette découverte de map de la TMGL. Donc maintenant, avant c'était 2 maps par semaine, même encore avant c'était 3 maps par semaine si je me trompe pas. Mais là on a c'était 2 maps par semaine la dernière saison et là c'est une map par semaine qui va remplacer la map sur laquelle on a fait des rounds. Donc la première map, Airbridge, ne sera plus, ce sera map 1, map 2, map 3, map 4 et ensuite les rounds en 2 laps. Donc je vais plutôt la jouer en 2 laps finalement parce qu'on va... On va pas l'avoir d'ici un petit moment en 6 laps, pardon. Donc let's go. Je me suis rien spoil. Découverte à blanc de mon côté. Oh. Style la map, hâte de ta découverte. Et ben on va voir tout ça. Pour l'instant, je suis à chier. Mais au moins, je tombe pas à droite. Transi ici. Ok, on retombe dans la descente. Et passage tuyau pas très compliqué, faut avouer. Passage tuyau pas. Ouh, ça j'aime bien. Attends, vraiment? J'ai loupé un reset ou quoi? Ok. Mais non. Attendez, on va regarder du 2 lap là-dessus. C'est un truc de fou. Alors, je pense que ça va être un peu bizarre à spec. Au niveau des caméras, etc. Mais... Ah ouais? Je suis un peu choqué parce que... Ah mais là c'est triangle. Into exter. Oh, je suis choqué de l'identité. Oh. Quand il y aura du syllabe là-dessus. Pro. Hey yo, what's in? Oh, le slow. Et ouais, alors ça, ce turn là, j'aime beaucoup. Les autres sont un peu perturbants. Et cette roue libre qui dure une année, ça me surprend un petit peu. Il y avait un waterbound au courant. Ah ouais. Mais tu peux tellement le grid en passant full speed. Oh. On va... Je pense que sur le multiplayer 5, typiquement, sur cette map-là, on va avoir des gens qui vont full risque les tuyaux en priant. Et que du coup, si tu full safe, t'as moyen de faire un truc. Ça va DNF fort, ouais, c'est ce que je me dis. Mais si tout le monde full safe, et bah du coup, le seul qui risque à mort... Parce que là, vraiment, risquer, ça te fait gagner facilement 0.3, et 0.3, c'est énorme. Ça va être giga intéressant, j'ai trop hâte. Déjà, le format, je le trouve trop bien. En tant que spec, et sûrement pas en tant que joueur. Non, la transi passe super bien. Alors vraiment, la map est sick. C'est une map de qui? Popouette.
Une map de Popouette sans glace. Ouais, je suis juste un peu perturbé par cette roue libre. Après, ça permettra de bien choisir le spec, etc. Mais... Et puis ça, tu peux le grid, mais comme un enfoiré. Ça va être incroyable, je crois. Le format est plus intéressant en TMGLC, je trouve. Je vois pas vraiment pourquoi il y aura une différence d'intérêt entre TMGLC et TMGL normal par rapport au format. Ça peut être plus intéressant parce que peut-être tu connais un peu mieux les joueurs, etc. Mais... Ah oui, ils essayent d'enlever tous les waterbounds. Ah mais ouais, un waterbounds comme ça en fait. Avant tu pouvais faire ça. Ok. En fait le problème des waterbounds c'est que les joueurs pad sont avantagés étant donné que tu peux trick pad. Et les... À rappeler aussi que les action keys, donc les touches qui te permettent de rouler à 10, 20, 30%, à tourner à 10, 20, 30% sont interdits en TMGL. Ah c'était pas ça quand même. Je sais pas, j'ai essayé de guess vu que vous disiez qu'il y avait un waterbound. Mais bref. Ou peut-être là il y en avait un. Ça me paraît un peu vide ici. Je vois bien un waterbound. Mais ouais. Ok, c'était ça. Je sais pas, la roue libre... Je rate un truc ou... Je rate une fast way là? Ça me paraît bizarre cette roulis, mais soit. En vrai, ça peut être un petit moment de chill, ça permet aux joueurs de regarder la différence de temps qu'ils ont avec les autres. Parce que t'as certaines maps où t'as pas beaucoup d'endroits où tu peux juste te concentrer sur l'avance que t'as ou l'avance que tu dois prendre. Et juste avant le passage risky, c'est, je trouve, intéressant pour les joueurs d'avoir ça. Bon bah je sais pas, pas grand chose à dire, hâte de voir les joueurs jouer dessus. Là le triangle je sais pas trop, je pense que c'est plus fast mais... A voir, et là jump au milieu ça reste compliqué. Allez on va tenter deux laps correctes. Ça va, deux laps. Ça commence très très bien. Mais il est dur à judge ce jump parce que quand t'as le flying lap, tu peux jump beaucoup plus à droite. Et juste avant, je me suis fait un peu surprendre. Donc là, bien exter, garder la gear. Ouais, j'ai tenté de prendre un tout petit peu le airtime. Ici, pour pas perdre de vitesse avec le sable. Mais c'est giga risqué. Et yo, Oli. Non, sick map. Je sais pas ce qu'en pensent les joueurs. Typiquement, j'ai vu Vossil dans le chat. Le joueur clavier a dit bon, c'est trop, et il y a eu des accords. Ok. T'es sur la bonne scène? Alors non, je suis pas sur la bonne scène. Bien vu, pardon pour ça. Et merci Wolvie. Mais Wolvie, t'es un fou chaque jour 5 secondes. Merci infiniment.
t'es le gros. Allez, deux bons laps là. Un jour 5 subs, merci beaucoup. Non, attendez, attendez, attendez. Bon, c'est pas un très bon start, mais go. Joseph. Mais trop stylé l'ajout des tuyaux en TMGL. J'aime beaucoup. Bon, j'ai un peu green. Combien de temps ça va me prendre à faire un run clean. Hey yo Popouette, GG pour la map. Elle est vraiment sympa. Et merci encore Wolvie. Et Wolvie, on a pas su deux jours là. Merci infiniment. A été facile à ajuster en mapping parce que t'as eu des bah, je pense certains passages Nadeo devait dire pop non et typiquement le waterbound on m'a dit qu'il avait dû être supprimé mais en tout cas résultat final là très propre. Et ouais, j'ai l'impression qu'à un endroit, il y a un peu un cadavre de wallride. C'est où déjà? Là. Pour moi, avant, tu faisais un wallride. Je sais pas, cette partie, c'est peut-être que de la déco, mais ça me laisse penser que ultérieurement, il y avait autre chose. Mais non, c'est peut-être juste la déco. C'est juste pour bloquer le cut à gauche. Ok, ok. Bon allez, un deux lap. Ultérieurement. Bon, ça se dit, hein. Jamais content les gens. Bon, pas ouf la roue libre. Ultérieur. Inter. Ah, c'est possible, my bad. C'est moi, c'est moi. Faut aller si lentement. Le cut? Oh, dommage. Merci à Nicolas. Ok, fight up. Et y'a un ball. D'ailleurs, j'ai l'impression que ma voix, ça va déjà un peu mieux. J'avais le nez bouché ces derniers temps, et là, c'est vivable.
ça revient. Oh! Oh, je le voyais plus à droite. Merci Wally d'offrir un sauvage tartine. Mais tu peux... Tu peux full speed, ça. Attendez. Imaginez... Non, mais je pense que le mec qui est point 3 derrière... Il fait ça, hein. Non, une seconde derrière... Il tente. Il y a une vie où ça passe. Petit wall ride, là. Il y a une vie où ça passe, je suis sûr. Ça va être incroyable. On n'est pas prêt. Hein. Pas facile à garder la guerre ici. Bon allez, c'est le run. Là, full safe les tuyaux. Putain, mais je suis une merde. Et heureusement que je suis plus joueur pro, moi. What the fuck? Je sais même plus safe, je sais plus jouer. Ah, j'ai pris trop de sable. J'ai bien envie de regarder le WR après. Oh mais, non mais, au bout d'un moment. Ok, là, je vous jure que je full save les tuyaux. Je pense que c'est un peu mieux d'être descendu comme ça pour vraiment éviter le plus possible de passer sur le sable. J'ai jamais autant save de ma vie. Et du coup, à quel point tu risques reward avec la roue libre? Donc on va sûrement avoir des dépassements sur la roue libre étant donné que certains risquent plus que d'autres le tuyau. Ok. J'abandonne. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ah, mais on peut regarder comme ça maintenant. Oh là là. Allez, le fight avec Binks. On peut switch midrun? Mais si on fait... Bon, j'arrête. Mais si on fait comme ça et comme ça... Ouais, non. Ah, il passe là, il passe pas du tout triangle. Ah, ils ont pas besoin de release en faisant ça. Et le truc, c'est que tu troques avec du sable, donc... Ouais... Et là, no drift. Bien haut. Ok. Ça va vite. La full exter. Bien droit sur la... Je pense qu'il y a... Pourquoi voici la moins de speed? C'est parce que Bing s'est passé bien droit sur le sable. Mais ils avaient quasiment la même vitesse.
Ok, ça, ça m'intéresse. Très très stylé de voir ça en TMGL. Oh, ça jump tout à droite, ça enchaîne avec le drift. Joli flying lap. Binks joueur TMGL. On a vraiment hâte de voir les deux laps là-dessus. J'ai peur que ce soit un shit show en mode tout le monde fail, mais... Avec une semaine de train. Honnêtement, ça a l'air d'être une map assez sympa à train. Assez satisfaisant quand tu passes bien les tuyaux, etc. Ok, ok. Et bah très bien. Eh ben merci YouTube d'avoir regardé cette découverte et si t'as apprécié, n'hésite pas à liker. Bien sûr, on se retrouve le dimanche pour le cast en français de la TMGL Challenger à 18h le dimanche, tous les dimanches, tous les 8 prochains dimanches là, les 7 prochains dimanches. Et sinon, à 20h, on switch en anglais pour la TMGL normale. Voilà, voilà. Allez, des bisous YouTube, on se revoit très bientôt. Abonne-toi et like. Si ça te plaît, des bisous.